Jonas, chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.